Salut bande de rageux, Max est là pour me mettre en PLS. J'avais jamais remarqué qu'on fait ce genre de blague avec mon pseudo en fait. J'ai pris le pseudo un peu à l'arrache et un peu à la dernière minute. Et le fait qu'on puisse faire ce genre de petit jeu de mots avec, je trouve ça vachement sympa. J'avais pas eu tout remarqué donc merci Modcap pour ton idée d'intro pour la vidéo, hein, j'apprécie. N'hésitez pas d'ailleurs pour la prochaine vidéo à mettre en commentaire ce que vous voulez que je dise au début, hein, on va changer à chaque fois, ça va être plus sympa. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre de la vidéo, on va s'attaquer à Tsukio Power. Alors, pour ne pas vous mentir, au début je voulais pas en parler parce que j'aime pas le personnage, je supporte pas vraiment, c'est pas le genre de contenu que j'aime regarder. Et puis, il y a eu le truc avec AmixEL, je me suis dit, ah oh, peut-être qu'il faut que je fasse une petite vidéo sur le sujet, peut-être pas, je sais pas, j'hésite. Et puis en fait, allez, si, je me suis dit pourquoi pas, de toute façon, j'ai du temps, j'ai bien préparé ma vidéo sur Mad Podcast, enfin Mad Podcast, excusez-moi, les podcasts de maths, c'est presque fini, la semaine prochaine je pense que ça sera bon. Donc on va pouvoir bien le mettre en PLS, mais du coup, en attendant, on va parler un peu de Tsukio Power et de ce qu'il y a eu par rapport à AmixEL. Donc on va d'abord regarder une vidéo qu'il a supprimée de sa chaîne, si je me trompe pas. Oui, il l'a supprimée de sa chaîne. Donc moi je l'ai gardée, la vidéo s'appelle Coup de gueule, réaction vidéo AmixEL, je crois. Non, réponse à AmixEL, coup de gueule, ok. Donc elle n'est plus sur sa chaîne, il l'a supprimée, je l'ai téléchargée avant qu'il la supprime, parce que ce genre de vidéo, il faut les télécharger. C'est une erreur que j'ai fait de ne pas télécharger une vidéo de Mad Podcast, qu'a fait les podcasts de maths. Il l'a supprimé, donc du coup je ne pouvais pas parler d'une vidéo qu'il l'a fait et j'aurais voulu en parler parce qu'il y avait tellement de choses à dire dessus. Mais là vous voyez, j'ai gardé la vidéo de Tsukio Power, je l'ai téléchargée avant qu'il la supprime et comme ça je peux en parler maintenant. 3 semaines après que ça soit fait, mais c'est pas grave, de toute façon je suis toujours en retard, j'ai jamais été en avance. Et j'aurais du temps avant d'être en avance, hein. Faut que je rattrape pas mal de trucs. On va se regarder cette vidéo là, on va parler un peu de ce qu'il y a dedans et puis on va analyser tout ça. Petite vidéo coup de gueule sur Abixem. Vous savez ce qu'on dit sur les vidéos de Google? Une vidéo à chaud et je sais pertinemment qu'il ne faut pas faire de vidéo à chaud. Bon, je vous épargne le début parce qu'au début il dit que tout le monde suce AmixEL. C'est super délicat de sa part, hein. Voilà, regardez, je vous passe l'extrait. Abixem. Super, c'est vraiment la grande classe. Ensuite, il explique qu'AmixEL a fait une sorte de petit concours, voilà, il s'est filmé sur un fond vert et puis on peut l'incruster dans certains décors pour faire des petits sketchs, des trucs rigolos. Ok, ça c'est vrai. Jusque-là, c'est vrai, sauf la partie où tout le monde suce AmixEL. Moi, je suis pas trop un suceur. Enfin, ouais. Et j'ai oublié que la vidéo d'AmixEL a permis de faire beaucoup de pubs aux créateurs qui ont fait des vidéos avec le fond vert d'AmixEL dedans. Donc, ça a eu un impact positif sur ces chaînes-là. Ça a fait de la pub, ça a rapporté des abonnés, des vues et potentiellement de l'argent si les vidéos sont monétisées. Je me suis dit, c'est cool parce que j'adore monter. Alors, j'adore monter, mais je vais vous faire un vlog mal cadré et je ne vais pas le monter. Ce gros patapouf, hein, on va dire ça comme ça, ce gros patapouf. C'est moi ou Tsukio Power qui doit peser peut-être pas 2 fois plus lourd qu'AmixEL, mais vient de dire que qu'AmixEL est un gros patapouf. Alors, je connais pas ton poids, hein, et je veux pas vraiment le connaître, je m'en fous un peu. Mais tu pèses plus lourd que lui, tu peux pas dire que lui est un gros patapouf si tu es plus lourd que lui, sinon toi t'es un très gros patapouf, non? Je ne dirai rien, je veux pas savoir ton poids, mais pour moi c'est un problème de logique, c'est tout. Est-ce que cette personne a décidé de refuser de montrer ma vidéo? Oh non, AmixEL n'a montré que 15 vidéos sur 200 et la mienne n'a pas été montrée. Oh non, il a montré que 7,5% des vidéos qu'il a reçues et la mienne n'a pas été montrée. Le monde est vraiment injuste. Alors que on peut pas la louper ma vidéo, elle était number one sur l'hashtag qu'il a demandé. Je suis d'ailleurs la personne qui a fait la deuxième plus gros nombre de vues, quasiment 150 000 vues. Voilà, donc déjà, même si la vidéo de Tsukio Power n'est pas passée dans la vidéo d'AmixEL, beaucoup de gens qui ont regardé les vidéos par rapport à la vidéo d'AmixEL ont vu sa vidéo, hein. 150 000 quand même, ce n'est pas rien. À l'époque, il avait, je crois, il devait avoir genre 200 000 abonnés, Tsukio Power, qui est 200 000 personnes qui regardent sa vidéo, parce qu'actuellement elle a 200 000 vues, c'est bien, c'est même super bien. Donc même si t'es pas passé dans la vidéo d'AmixEL, tu devrais pas te plaindre. La plupart des gens font 100 vues. En fait, je suis en proposition de partout, puisque c'est normal, ma vidéo a fait plus de vues que tous les autres. Ma vidéo était proposée de partout. C'est peut-être là le problème. C'est peut-être qu'il fait cette vidéo avec les fonds verts pour faire de la pub à des gens. Et que toi, t'as pas besoin de pub, vu que t'as fait 150 000 vues et que tu as des dizaines de milliers d'abonnés. Peut-être que c'est pour ça qu'il n'a pas montré ta vidéo. Mais à la limite, qu'ils montent pas ma vidéo, bon, bah, j'aurais pas forcément pris personnellement. Ok, alors retenez bien, s'il n'a pas montré sa vidéo, il ne l'aurait pas pris personnellement. Retenez bien, ça c'est super important. On y reviendra. Il a flouté tous les passages où j'apparais, c'est-à-dire qu'en fait, tous les passages où il y a ma miniature qui apparaît sur sa vidéo, il l'a flouté. Bon, désolé, je vais le redire une deuxième fois, mais ça, vous vous en souvenez aussi. Tsukio Power dit qu'à chaque fois qu'il apparaît, sa vidéo est floutée. Ok?
On s'en souvient. Plaisir. Donc j'ai rédigé un petit tweet, ok? Bon, clairement, le tweet, je le cherchais. Oh, bah, il a été supprimé. Oh bah mince, il n'existe plus. On se demande pourquoi. Est-ce qu'à tout hasard, il y a quelque chose que je ne vous aurais pas encore dit et qui démontrerait que cette vidéo-là, c'est du grand n'importe quoi et que c'est dégueulasse ce qu'il a fait? Non, non, sûrement pas. Écoutez, sinon, il aurait sûrement pas supprimé cette vidéo et son tweet. Non, on va partir sur le principe que Tsukio Power a raison et que c'est un bon mec, ok? Merci à Mixem de... Bah... Oh, merci à Mixem d'avoir partagé des vidéos de gens moins connus que moi. Ah, j'ai vraiment besoin de beaucoup plus d'abonnés et j'en ai pas déjà des dizaines de milliers. Ah, t'es vraiment un connard, Mixem. Tu m'aimes tellement pas que t'avais peur de me faire de la pub. C'est ridicule. Tu montes pas ma vidéo parce que tu la trouves pas drôle. Y'a pas de soucis, tu la trouves pas drôle. Même si honnêtement, on peut le dire, extrêmement drôle, extrêmement bien monté, mais bref. Ok, donc il se lance des fleurs tout seul. Bon, écoute, on va quand même partir sur le fait qu'il ait raison sur cette partie-là. On va dire que iMixM a foutu sa vidéo. On ira voir après sur la vidéo de Mixem si c'est vrai. Mais le mec se lance des fleurs, j'en ai dit. Ok, ma vidéo, tu l'as pas vue, mais elle est quand même super bien faite et super marrante. Alors, on ira voir sa vidéo après, d'accord, les gars. Puisqu'Amixem n'a pas critiqué ta vidéo en vidéo, moi, Max est là. Je te ferai l'honneur de critiquer ta vidéo dans ma vidéo. J'espère que ça te fera plaisir et que ça te fera de la pub. Parce que clairement, c'est ce que tu veux. Ridicule! Tu me fais extrêmement rire. J'ai honte. Attendez, là je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'à la fin de la vidéo, il dit... J'ai honte. Enfin, il devrait dire... Tu devrais avoir honte, ou honte à toi, ou ce que tu veux, mais pas j'ai honte. Dans ta vidéo, tu ne te présentes aucunement en tort. Tu ne devrais pas avoir honte. Même si on sait tous, enfin, probablement si vous regardez cette vidéo au moment où elle sort, quelques semaines après, vous savez un peu le dénouement. Tu devrais avoir honte, en fait, effectivement. Donc à présent, on va regarder la vidéo de Tsukio Power, hein, le fond vert. On va voir ce que ça donne. Avant que la vidéo commence, je tiens à vous partager un message très important. Bah attendez, moi je pensais que c'était une vidéo au fond vert, pourquoi est-ce qu'il parle au début de la vidéo? Non ok, alors en fait les 45 premières secondes de la vidéo, donc presque un tiers de la vidéo, il va se plaindre de son network et dire que sa chaîne va être supprimée, donc il faudrait s'abonner à son autre chaîne. Peut-être qu'Amixem a vu ça et s'est dit, ok c'est pas une vidéo au fond vert, il a pris le hashtag pour se faire de la pub. Et d'ailleurs, je pense aussi qu'il a profité de la notoriété du hashtag pour faire de la pub à sa chaîne secondaire, hein, ou à sa chaîne tout court. On va pas se mentir, c'est... plus que probable, sinon il aurait pu mettre ça à la fin, hein, sans problème. Bon, vous savez quoi, en fait, je vous ai pas un avis au fond vert parce que clairement, c'est pas mal monté, je vais pas vous mentir. C'est pas mal fait, c'est pas très beau, mais c'est pas mal fait, mais c'est pas drôle. Y'a pas de soucis, tu la trouves pas drôle, même si honnêtement on peut le dire, extrêmement drôle, extrêmement bien monté, mais bref. L'humour c'est pas le mien, c'est peut-être le sien, et peut-être c'est l'humour de 5-6 personnes. Mais c'est pas drôle, c'est pas marrant comme vidéo. Si honnêtement on peut le dire, extrêmement drôle. Je vois pas les blagues, c'est prévisible, c'est plat, c'est pas de rebondissement, plat de twist, rien de... C'est nul, c'est nul. Donc voilà, donc je comprends si Amixem n'a pas passé. Mais cela ne répond pas à notre question. Est-ce qu'Amixem a vraiment flouté la vidéo de Tsukio Power? Et ben la réponse c'est oui. Oui, regardez. Il a flouté la vidéo de Tsukio Power. Il l'a fait. Salaud Amixem. Tu as... Ah non, attendez, attendez. Mais il a flouté aussi toutes les vidéos dont il ne parlait pas. En fait, à chaque fois, il a laissé en net uniquement la vidéo qu'il allait analyser, qu'il allait regarder. Il a juste flouté celles qui sont au-dessus et en dessous, donc pas uniquement celles de Tsukio Power. On puisse se concentrer sur la vignette, le titre, la chaîne et la description de la vidéo qu'il allait regarder, ce qui est logique, clairement. D'ailleurs, ce qui m'amène à dire que Tsukio Power a fait un montage dans son tweet, regardez le tweet, il a fait un montage pour qu'il y ait deux vignettes qui ne soient pas floutées et la scène floutée au milieu. Or, vous pouvez regarder la vidéo d'Amixem en entier et chercher, cette image n'apparaît pas dans la vidéo d'Amixem. Il n'y a jamais deux miniatures en net et celle de Tsukio Power floutée au milieu. Donc Tsukio Power, tu me dégoûtes. Franchement, je ne t'aimais pas avant, je te déteste à présent. Patapouf. En tout cas, sachez que je ne suis pas le premier à avoir fait cette conclusion. Je ne suis pas le premier à l'avoir découvert et je ne suis pas le premier à en parler. Par contre, après, Tsukio Power a fait une vidéo, parce que vu qu'il s'en est pris plein la gueule, parce que beaucoup de gens ont remarqué la supercherie, heureusement qu'il s'en est pris plein la gueule, parce que son comportement n'était pas acceptable. Il s'en est pris plein la gueule et il a fait une vidéo, je quitte YouTube ce soir. D'ailleurs, vidéo qui est toujours disponible sur sa chaîne, alors que je pense que... Ah non, ok, elle est disponible parce qu'en fait, elle a fait 400 000 vues, c'est pour ça. Du coup, elle est encore disponible, même si c'est encore une mauvaise vidéo. On va peut-être la regarder ensemble
et voir ce qu'il en est. C'est terminé. C'est pas du tout une vidéo troll. Non, c'est pas une vidéo troll. Je vais vous expliquer clairement pourquoi j'arrête YouTube. C'est très simple. La communauté est à vomir, est à gerber. La communauté est à vomir et à gerber. Mec, tu te souviens de ce que t'as fait la semaine dernière? Tu te souviens que t'as menti sur un youtubeur pour espérer avoir des vues, des abonnés et de l'attention? Tu te souviens que t'as limite appelé à la haine pour qu'on partage, comme quoi il t'avait, comme quoi il te détestait, comme quoi il... T'as voulu lancer un drama, c'est toi qui pue. C'est toi la communauté de merde, tu peux représenter la communauté de merde tout seul, t'as vu ce que t'as fait? J'ai jamais autant aimé monter des vidéos qu'en ce moment. J'adore monter des vidéos et j'adore en faire. Par contre, je vous fais des vlogs sans aucun montage. Parce que franchement, ton vlog, j'ai vraiment du mal à regarder. T'es cadré en plein milieu de l'image. Écoute, c'est pas que j'aime pas ton visage, mais t'es un peu trop près pour moi. Et c'est pas monté, c'est pas rapide. Tu réfléchis beaucoup trop de fois dans ta vidéo, regarde mes vidéos. Moi, je coupe quand je réfléchis, je coupe quand je fais. Je viens de sortir une vidéo coup de gueule parce que. Honnêtement, je suis dans mon droit. Oh merde. J'aime bien comment il peut parler de sa vidéo coup de gueule et dire honnêtement juste à côté, alors que sa vidéo coup de gueule c'est juste un ramassis de mensonges. D'accord, il s'est passé un truc très injuste. Très injuste. Qui est plus connu que moi, donc forcément, j'ai pas le droit de parole. Non, non, t'as pas le droit de parole parce que tu mens. Donc j'ai pas le droit de parole. Désolé, mais je vous passe pas tous les moments de la vidéo où je rigole, mais vous pouvez aller vous faire baisser par des ânes. Ta vidéo coup de gueule est plus marrante que ta vidéo humoristique et Mixem fond vert. Et pensez pas que c'est une vidéo à la Zuccheri ou je sais pas quoi, où je vais revenir dans une semaine. Alors, j'ai fait genre que je savais pas qu'il avait refait une vidéo sur YouTube, mais là c'est le moment où je dois vous le dire. Il nous dit, eh, je les gars, eh, je vais pas revenir dans une semaine, hein. Et une semaine exactement plus tard, il y a une vidéo qui s'appelle Mon retour. La gueule. Les gars, hein, je reviens pas dans une semaine, hein. Parce que je suis pas un teubé complet, peut-être dans 6 mois je referai des vidéos, peut-être dans un an je referai des vidéos. 6 mois, 4 mois ou 1 an, ou peut-être une semaine en fait, hein, parce que j'ai pas de parole et que je sais pas ce que je fais. Je suis perdu dans ma vie, je m'appelle Chuckyo Power, bonjour. Et qu'on parle pas d'argent parce que j'ai jamais autant fait d'argent que ce mois-ci. Oh, t'inquiète pas, on te croit que t'as fait assez d'argent ce mois-ci, hein. T'as menti sur un youtubeur pour faire le buzz, puis après t'as fait une vidéo, je quitte YouTube pour encore faire le buzz. T'inquiète pas, je te crois, tu as fait beaucoup d'argent ce mois-ci. J'ai pas le droit de donner mon avis. En fait, pour donner son avis, faut avoir une voix de shooter et s'appeler Absol Vidéo. Ah, c'est marrant, je me souvenais pas qu'il crachait sur Absol dans la vidéo. Surprise, je me souvenais plus du tout de ça. Et bah c'est encore plus petit parce qu'Absol il écrit ses textes, et il monte bien ses vidéos, hein, c'est pas juste un plan séquence. Et c'est des vidéos qui sont recherchées ce qu'il fait. Et Absol cite ses sources et ne ment pas en vidéo. Enfin jusqu'à présent il a jamais menti, ou ça a jamais été prouvé. Tu viens de le faire! Comment tu peux te comparer à Absol? Je vois de plus en plus de commentaires qui manquent de respect. De toute façon, j'ai envie de dire que personne ne te doit le respect. Personne ne te doit le respect pour ce que t'as fait. Ce que t'as fait, c'est petit, c'est minable, c'est naze. Personne ne te doit le respect. Tu vois, je t'insulte pas, mais j'ai vraiment envie de le faire. D'ailleurs, ce que je propose, c'est pour conclure cette vidéo, parce que je vois pas l'intérêt de continuer à regarder sa vidéo. Je quitte YouTube. On va se faire juste une petite compilation. À la fin de la vidéo, on va se faire une compilation de toutes les insultes, uniquement de la vidéo de 4 minutes. La vidéo de 4 minutes, on va faire une petite compilation de toutes les insultes qu'il balance. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle était un petit peu plus longue que les autres, mais il y a beaucoup à dire sur ce personnage. Et d'ailleurs, on refera sûrement un tour sur sa chaîne parce qu'il est sale, parce qu'il est crade, parce qu'il pue. Et ouais, je l'insulte, mais bon. Vous savez, il nous a tous insultés. Écoutez, allez vous faire baiser. Allez vous faire baiser, d'accord? Vous vous faites vomir. YouTube, c'est devenu de la grosse chiasse, de la grosse merde. Allez vous baiser. Allez tous vous faire enculer. Et vous pouvez tous aller vous faire baiser par des ânes. Je m'en bats les couilles. Donc, je m'en bats les couilles. J'ai honte.